Encore un. Haha, tu croyais pouvoir passer, hein? Moi, ça m'étonnerait beaucoup. Essaye de me battre. Ok. Je sais pas à qui il a affaire. Hein. Je vais faire. Oula. Oui, bon. Peu importe. Je vais mettre feinte sur tout le monde. Ah, gros tas de meurtres. Est-ce que je lui mettrais pas un lance-flamme? Je sais pas si c'est très bien. Moi je pense que ça devrait le faire quand même. Sachant que j'ai beaucoup plus de niveaux qu'eux déjà d'une. Alors. Hop là. Ouais d'ailleurs je m'attendais plus à ce qu'ils auraient le niveau dans les 40 quoi. Quand j'arriverais sur l'île. Mais en fait, à peine. Obscur. Ah, en plus, il est trop bien, lui. J'adore. Licorne avec des flammes. Alors, je vais faire ça. Et je vais faire ça. En espérant que j'arrive à le capturer. Voilà, c'est nickel. Pour le moment, j'en ai pas trop loupé des Pokémon obscurs sur l'île. Volcaropode. Ouais, je connais de vue ce Pokémon. Ok, obscur aussi. Un escargot de feu. Un cheval de feu et un escargot de feu. Allez, c'est parti. Bon, objet. Ah, je sais pas. Je vais peut-être lui mettre un de folie quand même. Et une hyperbole. Nom de folie, c'est au cas où quoi. S'il rentre pas dedans. J'ai un peu plus de niveau les obscurs. Niveau 40. Pokémon précédent c'était 37-38 par là. Bon bah je l'ai eu, ça c'est cool. Bon, lui, il faut le geler aussi. Bon, lui, il n'y a pas le niveau 40. Quoi. Je sais pas si je lui lance un morsure ou pas, parce que j'ai peur que ça le fasse pas. Mais... Ouais, je vais pas attaquer. Ouais, je vais pas prendre la... J'ai pas envie de prendre le risque. Parce que la dernière fois que j'ai pris un risque, ça s'est mal passé. Donc cette fois-ci, je fonce pas tête baissée. Moi je vais faire pareil. J'attends qu'il se blesse lui-même là avec la confusion. Ouais. Ouais, sauf qu'il se blesse pas beaucoup quoi. Ouais, mais si je mets un morsure, je le sens pas. Je vais peut-être changer de Pokémon alors. Ouais, allez, je mets lui. Allez, donc, okay. C'est que des filles que j'ai dans mon équipe, à part Noctali. Échanger, go. Et là, bah là, j'attaque pas.
Je vais attaquer avec Coquillas. Il a moins de niveau déjà d'une. Ah, à cause de ça, je vais être encore obligé d'aller les soigner. Surf, si je mets surf, je sais qu'il y a que j'ai à peu près 10 niveaux de moins que lui. De plus, pardon. Non, de moins. Non, de moins, oui. Donc, je sais pas, 11 niveaux de moins. Si je mets surf, je sais pas. Non, c'est un gros risque que je prends là. Onde boréale, c'est une attaque glace, c'est pareil, c'est un gros risque, hein, je pense. Je vais mettre assaut noir. Ouais, mais non, ça va rien faire, ça, pour le coup. Ah là là, les gars, je suis un peu... Je sais pas trop quelle décision prendre. Bon, allez, je mets ça. Mais ça me fait un peu peur. Bah ça lui a rien fait du tout. Bon bah je vais mettre surf alors. Avant qu'il soit trop tard, sur elle. Je perds plein de vie là. Non toi t'attaques pas, toi t'as trop de niveau toi. Chaud. J'aurais préféré qu'il soit dans le rouge quand même. Ah, oh, okay. C'est pas grave. Merci Coquillas de m'avoir aidé. Ouais, assaut noir, mais j'ai... Bon, là je vais lancer une hyperbole. On va voir ce que ça va donner. Normalement, ça devrait être bon quand même. Hein. Il est confus aussi. Hein. C'est bon. Ah, ça n'a pas été facile, hein. J'arrive pas à me battre avec cette chaleur insoutenable. Oh l'excuse. Et moi qu'est-ce que je devrais dire là? Il fait 38 degrés là. Où je suis là? Ah on s'en fout de lui, j'ai pas le temps. Bon par contre je vais faire demi-tour hein, parce que du coup là c'est un petit peu juste niveau point de vie et tout là. Si ça se trouve, il y avait un truc pour les soigner plus près. Mais... Moi, je pense pas parce que là, déjà, elle était pas loin la machine. Donc, Voilà, ça se met. Ce serait trop bien qu'il y ait des jeux un peu comme ça qui sortent sur la Switch, là, sur Pokémon. Ce serait trop bien. Rien à voir avec épée bouclier, quoi. Non, il n'y a pas les badges ni rien. Ah, je ne suis pas passé de chaleur. Oh là, mais quelle petite nature. Bah déjà, ils doivent avoir chaud, hein, se gripper au plafond comme ça. Ah bah le cactus, je vais le cramer, moi. Fenard, bah c'est Noctali qui va s'en occuper. Faire ça et ça. Voilà, ça
Je m'en doutais que j'allais l'avoir d'un coup. Je suis sûr qu'il y a un Pokémon obscur. Au moins un. Charter. Encore une tortue. Un tortue, c'est un escargot. Sorry. Tortue de feu cette fois. Là, si je mettais poursuite pour changer. Hop. Et là, feinte. On y est presque. Que fais-je? Faire ça. Lui c'est bon, on l'a vu. L'autre, normalement ça doit être bon aussi. Obscur, je parie. 10 sur 10, je parie que... Ah, même pas. Heureusement j'ai rien parié. Donc peut-être qu'il en a pas du tout, on va voir. Non, apparemment il n'en a pas, il en a pas parce qu'il a, il en a plus que deux là. Ok, bah écoute, tant mieux. Puis lui là, je vais pouvoir le cramer. Encore une attaque et ça devrait être bon. Allez, Martial. Nickel. Il fait trop chaud ici, j'arrive pas du tout à me concentrer. Oh la pauvre. Il y a quoi là? Deux guérisons, c'est bien ça. Ouais, bon bah on est go. Quoi? Bah laissez-moi passer. Je m'appelle Carbon. Je m'appelle Petro. Ensemble, nous avons un pouvoir d'attaque doublement explosif. Ok. Ça me fait pas peur du tout. Juste que je vois que j'ai eu deux adversaires d'un coup. Le lance-flamme ça va être efficace sur un Pokémon Rush. Pas sûr hein. Ah ouais, mais il lui reste encore un petit peu de vie quand même. Ah bah lui j'ai vu d'un coup. Yeah. Thank you.
Oh, t'arrêtes de me jeter des pierres là. Oh. Ah, je suis presque KO là. Je vais être obligé de mettre une hyper potion. Que fais-je? Ouais, bah, je vais mettre tout de suite l'hyper potion. Alors, c'est. On va. Si. Utiliser. Voilà. Et là, je vais faire ça. Je crois que c'est la première fois que j'utilise une potion. Une hyper potion, mais une potion tout court même. Première fois que j'en utilise une, là, depuis le début du jeu. Je suis un peu radin. Tiens, en voilà un Pokémon obscur. Je sais pas quoi faire. Que fais-je? Que fais-je? Faire ça. Et ça. J'ai peur que ce soit trop fort. Non, c'est bon. Ouf. Je lui lance une attaque en folie quand même. Moi, pour le mettre confus, quoi. Comme ça, j'aurai plus de chances de le capturer. Alors, en folie. Voilà. Là, du coup, bah, Demos, il va pas attaquer. Un trop gros risque. Et après, je vais lancer la hyper ball. Oh là. Bon, je sais que quand il se blesse, ça enlève pas beaucoup de PV, donc là, j'étais assez confiant. Ça fait toujours un petit peu peur quand même. Hein. Bon, là, ça devrait être bon. Et là, toi t'attaques quoi? Voilà. On dirait des lunettes de piscine que j'ai là. Ouais, il est pas rentré, c'est pas possible ça. Alors là, par contre, les gars, on est mal parce que s'il se blesse, bah là, il est KO. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Bon, j'ai encore un coup là normalement. Dernière chance. Eh, tu rentres dedans, hein. Tu veux que je te sauve? C'est bon. Enfin, quand même. Quoi? Eh ouais, perdu. 1 600 $ dans ma poche. Merci. Tu vas voir, même seul, j'ai d'incroyables pouvoirs. J'ai déjà battu un armure déjà. Armure. Et la vache là, j'ai déjà battu aussi quelque part. Alors, ça se trouve c'était le même dresseur. Enfin le même type. Pas vraiment un dresseur. Hein. C'est un méchant. Alors, on va faire ça et ça. C'est un méchant voleur. Qui mérite une bonne leçon. Parce qu'il est mal éduqué, non?
morsure. Et lance la main. Ah, obscur. Sinon, j'ai pas fait gaffe, il est obscur aussi. Ah non, sinon, il est passé. Non, mais il y en a qu'un d'obscur en fait. Là. Ben, je fais quoi? Je fais ça. Je m'occupe d'abord de l'autre. Bon, quoi que. Je vais faire ça. Oh, c'est tout. Pas grand chose ça. Non. Lol, c'est pas possible. Ah, je vais lui mettre lance-flamme alors. Okay. Bah du coup, je vais faire ça. Et ça. Je vais aussi à le capturer. Ah, il est pas encore KO lui. Bon, bah là, je vais faire la même chose. Enfin KO. Ouais. Du coup là j'hésite. Est-ce que je remets un morceau ou est-ce que je lui mets un nom de folie? J'hésite. Je vais mettre nom de folie. Le statut ça compte aussi. S'il dort, s'il est endormi, s'il est paralysé, tout ça. Voilà, je pense que j'ai bien fait, j'ai pris la bonne décision. Normalement ça devrait marcher, n'est-ce pas? On va voir. Croisons les doigts. Yes, c'est bon. Une victoire de plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je me souviens plus de trop. Hein. Ah, c'est les trucs qu'on avait repérés le toit. Les ascenseurs, là. Ah, il y en a un, là. Celui-là. Ouais, ok. Oui, mais il m'amène nulle part, lui. Moi, je vais prendre l'autre. Attends, viens là. Oh. T'aurais pu m'attendre quand même. Ouais. Donc, du coup, l'autre ascenseur, il doit servir à quelque chose, mais là, j'ai pas. Oh non, ça recommence. Me voici, rayonnante comme toujours. Ouais bah moi j'ai pas soigné mes Pokémon là, vous m'embêtez là. J'ai envie d'avancer, reculer à chaque fois pour aller soigner, c'est bon. Bon remarque là ça devrait aller vite hein, c'est des Pokémon plantes. Avec mon lance-flamme là, ça va être rapide.
mettre le lance-flamme sur le Pokémon qui a un peu plus de niveau. Voilà. Que l'horreur. Ah, il va me tuer des PV là. De toute façon, ça comme quand même mon gars. Hein. D'un coup, yes. Comme quoi, avoir bien entraîné mes Pokémon, ça porte les fruits. Le champignon, il va cramer. Voilà, ça fait. Alors l'autre par contre, ça m'étonnerait que je vais l'avoir d'un coup. Peut-être avoir une autre attaque après, je pense. Ouais, peut-être même deux, on va voir. Là, il est niveau 40. Je sens qu'on va commencer à avoir des adversaires dans les niveaux 40 là maintenant. Morsure et lance-flamme. J'ai plus beaucoup de lance-flamme, il me reste plus que 6 après celui-là. Je m'en doutais. Deux attaques. Voilà, ça c'est fait. J'effectue une retraite tactique. Adieu. Ok. Une retraite tactique. Ah, je suis sûr qu'il y aura un combat avant de prendre l'objet. Ou après. Oui, après. Peut-être. Ah, super bonbon cool. Alors, les super bonbons, les gars, ce que je fais, c'est que j'attends généralement d'avoir le niveau 95, un truc comme ça. Pour les mettre au niveau 100. Et ben voilà, j'ai eu raison. Je t'ai fait peur, avoue tu as eu peur, il faut que j'essaie de refaire ça au combat. J'ai pas eu peur du tout, vu que je le sentais venir. Apparemment, inconsciemment je m'en souvenais. J'ai eu raison les gars quand je disais je sens qu'on va arriver sur les niveaux 40 sur les adversaires, mais j'ai raison, ils ont tous le niveau 40. Moi, je m'en fous hein, j'ai 16 niveaux de plus, donc c'est bon. Comme ça, ça évite que les combats soient trop longs, parce que déjà vu qu'il y en a beaucoup. Chauve-souris. Ah, c'est l'évolution de Nosferatu. Yes, 57.
Il est énorme, lui. Alors, je vais faire... Oh là, non, je vais pas faire ça, je vais faire plutôt ça. Et lance-flamme sur Dustin Fer. Je vais faire ça, du coup. Ah, il est niveau 44. Voilà, 8 d'un coup, on s'en fout. Quand même, ça augmente les niveaux, là, tout d'un coup. Aussi là. Dommage que c'est pas un Pokémon obscur hein. Je me serais bien fait plaisir de pour le capturer vu qu'il est déjà dans le rouge là. Ouais, du calme. Hop, on va pas mettre lance-flamme sur un Pokémon haut, c'est ridicule. En plus, on dirait qu'il rigole, on dirait qu'il est content d'être KO. Tu es bien plus fort que je ne le croyais, tu me fais peur. Trouilleur. Ah oui, il passe là-bas l'autre ascenseur là. J'aimerais bien soigner mes Pokémon avant. J'ai envie de faire demi-tour, c'est quand je commence à être loin de la machine. Il va y en avoir une autre quand même. Mais pour l'instant, c'est bon. Attends-moi, voilà. C'est bon, on l'a. Ici. L'ascenseur. Mais alors celui de gauche là, il sert à rien en fait. Ah si, attends. Ah non, je peux pas. Non, moi je sais pas quoi il sert celui-là. Peut-être plus tard. Ah, message. Eden, j'espère que tu te portes bien. Je n'ai pas à me plaindre de mon côté. Voici un message de mon partenaire Pika Pika. Ok. Nous te souhaitons beaucoup de succès. C'est plutôt bon courage qu'il faudrait me dire. Ah oui, il faut que je me déplace avec ça. Je vais essayer par là. Je vois qu'il y a un objet là, je le veux. Pas une orange là, je pense. Ah, je peux pas. Mince. Il y a pas l'objet. Ah là, je peux pas non plus. On va le rose alors. Et un objet. Chrono Ball. Je sais pas pourquoi il y a un bidon. Ok, bah oui, mais moi je veux l'objet qui est là-bas, je l'ai pas vu. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû. Bah oui, ça me renvoie là. Ah, si mes souvenirs sont bons, il me semble que je peux tomber du toit après. Ah oui, donc c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Ok, bon, bah en avance, les gars, je me rappelle de comment faut faire. Là, il n'y a rien. Il faut que je prenne l'ascenseur. Voilà. C'est ça. Il est revenu dans les souvenirs. Oh, pourquoi vous m'embêtez encore? Attention à ta tête, surveille le sol aussi. Ouais, en fait, c'est les trucs bleus qu'on voyait là, les trucs bleus clairs là. Bah, si on marche dessus, en gros, on tombe en dessous où on était. Comme ça que je vais avoir l'objet. Par contre, faut pas se gourer de. Ce serait bête de faire des allers-retours à chaque fois. Bon, déjà je vais battre lui là. Donc je vais mettre ma flamme sur lui.
J'aimerais bien pouvoir soigner mes Pokémon. Gratuitement, j'ai pas envie de mettre mes hyper potions. Parce que les hyper potions, tout ça, je préfère les garder pour la finale. La grande finale. Je sens qu'on va. On va me refouler. Ah, lance-flamme, ça lui a pas enlevé grand chose finalement. Ah si, mais bon, je pensais que ça ferait plus quand même. Ah non, c'est pas vrai, il lui reste encore un bout de point de vie. Oh, je suis deg. Il est résistant. Pourtant, les Pokémon électriques... Tout ce qui est feu, eau, tout ça, c'est pas trop leur... Leur avantage, c'est plus contre les Pokémon Rush. Et Herbe aussi, je pense. Ouais, c'est même sûr. Enfin, quand je dis Herbe, c'est plante. Hein. Herbe, ça veut rien dire. Alors là, type plante, pas type Herbe, ça existe pas. Ah, par contre, c'est pas cool, là. Ah, j'ai plus de PV. Pas de PV d'attaque. Oui, j'en ai utilisé tellement. Des lance-flammes. Il faudrait que je trouve un truc pour les soigner, mais... On va faire demi-tour. On va essayer comme ça. Si je vois que ça le fait vraiment pas, je mettrai une hyper potion. Je vais faire demi-tour. Hein. Là, j'ai bien avancé, là. Pour une machine, oh. Ah, il m'a confus. Je vais mettre, je pense, un guérison même pour Noctali. En tout cas, s'il est paralysé, ah ouais, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix du tout. Donc, je fais quoi? Bah, je vais être obligé de le faire. Ah, je crois que je peux utiliser qu'un objet à la fois. Zut. Bon, je vais faire ça. Ça, objet. Hyper potion. Bah, mince, non, j'ai pas pris hyper potion, j'ai pris hyper boule. N'importe quoi. Hop. Et hop. J'espère que je vais pouvoir soigner juste après Noctali. Sinon je serais obligé de mettre un rappel. Heureusement il attaque. Ok, donc là je vais mettre voilà. Une guérison. Ah, j'ai dépassé Noctali en niveau. C'est lui où les guérisons. Là. Ah, je vais en avoir plus que 4 après. C'est embêtant. Après. J'attends qu'il brûle un peu là l'adversaire là. En lançant une hyper boule. Voilà, là ça devrait être bon. Là. Objet. Hyper boule. Ce qu'il faut faire à chaque fois les gars, c'est croiser les doigts. Faut qu'on y arrive.
Et l'objet. Oui, je dirais que c'était par là. Ouais, nickel. J'adore comment il atterrit. Il atterrit avec classe. Après c'est un cul-de-sac. Total soin, cool. Ah non, c'est pas un cul-de-sac. Il y a un endroit là. Eh non! Tu ne passes pas, désolé, il faut que je fasse mon travail. Ah super. Il est beau le travail. Je parie qu'elle a même pas à salir tous les mois. Lance-flamme. Ah, je vais pas faire ça sinon. Je vais faire feinte sur lui et flammer sur lui. Lance-flamme, c'est plus puissant que le flammer. C'est ça qui est embêtant. Oh là, voyons qu'il est fort le cerf là. Le cerf du Père Noël. Il est presque KO. Ah dis-moi s'il a perdu tout ça là. Il faut que je me débarrasse de cerf rousse là parce que lui. Il n'est pas allé mieux. J'adore Pokémon, il y a ses aïeux aussi qui lui ressemblent un peu, sauf qu'il est rouge. Je sais pas si ses aïeux s'il est dans ce jeu là. Je m'en rappelle pas, c'est lui. C'est pas un Pokémon qu'on voit souvent, hein, ses aïeux, je trouve. Et flamèche. Ah, faut pas que je le crame de trop non plus parce qu'il est obscur. Ce serait bête de louper un si beau Pokémon. Ouais, c'est bon. Je vais mettre ce nom de folie quand même. Produire les sons des Pokémon. Il est obscur aussi en plus. Oh non, ça c'est pas cool. Sniff sniff, c'est pas cool du tout. Ça va le mettre KO, je suis con. Oh non merde, j'étais con. Oh je suis deck. J'aurais dû mettre brume noire. Ça aurait rien fait ça.
Ah, je suis con, mince. Ah, zut. Ah, je m'en veux. Bon, bah, on va essayer de capturer le Vénard. Hein. Ah, c'est un sécateur, ça me portait plus à cœur quand même. Bon, bah, tant pis, hein. C'est fait, c'est fait. Après, je pense qu'on a, on aura les, l'occasion de les recapturer, mais je sais pas en fait. Une fouille, Eh, le pire, c'est que ça lui avait rien fait, le Vénard, en plus, l'attaque rage noire. Je suis trop dégoûté. Ouais, ça lui enlève quoi, un ou deux points de vie, il est. Terrible, ça. Enfin, franchement, j'ai fait une grosse bêtise. Je sais pas après si à la fin du jeu ou enfin ou après la fin du jeu si je peux récupérer les Pokémon obscurs que j'ai pas réussi à capturer. Ça, je sais pas du tout. J'ai jamais trouvé si je pouvais ou pas. Mais il est fort en plus le Vénard. Hein. C'est trois fois que je l'attaque là. Putain, il a que le niveau 39. Bon bah encore un tour. Et après bah j'essaie de le capturer. Et après je vais sauvegarder. Parce que ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé. Je vais lui mettre une onde folie quand même. Ah, je me vois. Putain, je suis pas content là pour le sécateur. Oh là là. J'ai pas été intelligent. Du tout. Enfin, ça arrive de faire des erreurs, hein. Même en jeu vidéo. Bon, est-ce que je lance une hyperbole maintenant? Ouais, allez. Faire ça. J'espère qu'il va rentrer dedans tout de suite. C'est bon. Ouf. Ah, puis j'ai un Pokémon KO en plus. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, j'avais dit qu'il fallait être sauvegarde aussi. Regardez ici. Là. J'ose même plus avancer. Oh, c'est encore lui. Ah, comme on se retrouve. Mon plan était parfait, mes seules erreurs ont été Angéline et Donozer, complètement inutiles ces deux-là. Et toi, tu as déjoué tout ce que j'avais prévu pour Phenacite. Et à cause de cette horrible donzelle, toute la région de Rhode a pu suivre mon humiliation à la télé. Pour obtenir le pardon du maître Malafide et pour pouvoir prétendre au titre de gouverneur de Rhode, je dois te battre. Cette fois, je vais me battre à fond sans retenue. L'emmerdeur, j'ai même pas encore mis mon rappel. J'aurais dû le faire juste avant.
Ah, puis j'ai plus de feinte non plus. J'ai tout utilisé. Je vais prendre un rappel là. Ah, c'est où les rappels là? Par là. C'était en bas. Ah, c'était là. Ouais, mon équipe en plus elle est même pas prête pour combattre. J'ai un peu mal. Là. J'ai des attaques en moins, que j'en ai plus du tout. Un Pokémon qui était KO, j'ai dû rappeler. Bon, mes Pokémon aussi, ils vont pas faire le feu, parce qu'ils sont pas très forts. Ben, ce qu'on fera après, je pense. Ce sera retourner faire un petit peu de shopping après ce combat. Alors, faire ça. Oh non, j'avais pas vu. Je vais mettre hyper potion. Hyper potion, merci. Ben alors, j'ai pas les yeux en face des trous, moi. Là. Ah mais il m'embête lui. Ah, ça c'est embêtant, ça m'énerve. Ça va être un peu plus dur là, parce que j'ai pas ce qu'il faut et tout. Mais... bon, on va y arriver. Mais s'il y a des Pokémon obscurs à capturer, ça va être un peu plus difficile encore. Du coup. Ah bah tiens, je parlais de Tizaka qui est là. Bah le voilà. Coïncidence, hein. Obscur, je parle, je le sens. Ouais. Dommage que c'est pas Cisaïx qui est obscur. J'aurais préféré. J'ai plus feinte, j'ai des morsures, j'ai des poursuites. Nickel. Je savais que le feu ça allait lui faire dans de la poussière. Ah, le petit Pokémon Morpheo. Oh là. Ça s'est arrêté à temps, hein. Bon, ça c'est énervant là, les couilles. Est-ce que je me confie quand même, ouais. Mieux. Je vais faire ça. Bon, après j'utilise l'Hyper Ball, je bats Morpheo. Après, je sais pas s'il reste des Pokémon encore. Super pauvre.
Ah si, il lui reste un Pokémon à pas encore à battre. Ou à capturer, tu vois, on va voir. Attention, ne pas oublier de croiser les doigts, les deux doigts, les deux mains. C'est bon. On l'a. Ah, c'est Staros. Pokémon haut, ça marche pas des masses. J'ai peur que des molos ils soient se mouiller. Pour ça. J'espère qu'après j'aurai pas d'autres combats forcés parce qu'il faut absolument que je soigne mes Pokémon. Juste une attaque en hein. Oh non, ah, je m'y attendais tellement fort. Bon, du coup c'est qui que j'avais fait attaquer en plus, je sais même plus. Rage noir, morsure. Ah bah mince. Bon bah ça a été trop puissant pour réussir à le capturer. Je pensais que ça allait faire mais non. Mon plan, je croyais qu'il était parfait. Ah, mon plan parfait, pardonnez-moi maître Malafide. Quel dieu. Avec sa coiffure en banane. Je peux soigner mes Pokémon maintenant, merci. Je sais pas où ça m'amène ça. J'ai pas envie d'aller prendre le chemin qui est là-bas tout de suite, hein, parce que je le vois. Ça m'amène comme départ. Non, viens pas m'emmerder, non. Je pars déjà, impossible, je ne t'ai pas encore appuyé comme il faut. Oh là là, il le fout exprès. Faut déjà y soigner mes Pokémon. Oh là là. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Eh, là, ils en profitent, hein, grave. Que non seulement là il faut que je soigne mes Pokémon, il faut aussi que j'aille faire des shoppings pour prendre des balls, je pense pas, parce que du coup je pense que j'ai ce qu'il faut là. Ou plutôt en guérison, des trucs comme ça. Il va falloir que je fasse mes réserves. Bon, je vais faire un par un. En gros, je mets deux attaques sur un Pokémon. Et après, dès qu'il est KO, bah, je passe au suivant. Il n'y a pas l'air d'avoir des Pokémon obscurs là. Là, je suis pas. Je suis pas dans dans les meilleures conditions. Thank you.
Ah, j'ai même pas fait gaffe combien il y a de Pokémon, j'ai pas fait, j'ai pas regardé. Non. Bon, un moins déjà. En plus, mes attaques, ça leur fait pas grand chose. Il a bien un moment le combat. Ah, il m'embête, hein, j'avais pas prévu ça moi. Ah bah c'est les deux derniers, bon bah ça devrait aller. Hop, hop. Bon, c'est bon, il avait pas de Pokémon obscur. Sinon ça aurait été encore. La misère. Bon, faudrait pas qu'il me mette KO quand même, parce que sinon je vais être encore obligé de mettre un rappel. Et moi, les rappels, tout ça, je veux me les garder pour la fin. Tout à l'heure, c'était la pluie, maintenant, c'est le sable. Alors, bah là je vais faire ça. Ah mince, j'aurais peut-être dû mettre une hyper potion là. Là je vais pas tenir. Voilà, vu ce que ça fait les attaques de Kalinos, je pense que je vais mettre une hyper potion pour des Melos. Et des Melos, lui il va attaquer. Hop, on va faire ça, bouger. Hyper potion. Pas confondre avec hyper ball. Il ne reste plus que 7 maintenant. C'est des guérisons qu'il faudra essayer de prendre surtout. Putain, ça fait que ça. On va mettre autre chose. Hein. On va mettre feinte. Je sais pas si. Ah non, je crois que j'avais plus d'attaque feinte. Ah si, c'était Noctali qui avait plus. Un sous-noir, je sais pas si ce sera un peu plus puissant que morsure. On va. Ouais, c'est pas terrible. Là, il y en a pour 2-3 coups encore, je pense. Ah, c'est un peu plus puissant que morsure, ça. On va rester là-dessus. On met exactement la même chose. Alors là, il manquerait plus que ça si l'adversaire il mettait une hyper potion sur son Pokémon. Oh là là. Mais dans Pokémon XD, j'ai pas souvenir que les adversaires ils utilisent ce genre d'objet. C'est plus sur les jeux Game Boy, trucs comme ça. Et après on se casse. Provisoirement, bien sûr. Je suis désolé de t'avoir retenu. Ouais, bah tu m'as bien merdé. J'espère que ça va pas recommencer. C'est bon. Ah, ça fait du bien de rentrer chez soi. Enfin, je suis presque chez soi parce que c'est plus le labo où j'habite.
Alors, je vais commencer par le shopping. Je vais soigner les Pokémon après. Je voulais aussi voir où ils en sont, les Pokémon obscurs. Ah, ils sont pas prêts encore pour être purifiés. Acheter. Ah, il faudra déraper aussi. Il n'a pas de guérison. Je vais prendre des rappels. Je crois que j'en ai un rose. 17. Ouais, 17, allez. Soyez fou. Parce que hyper beau, j'en ai une vingtaine. Je pense que. Ça aurait été bien, j'en ai plus, mais bon. Ouais, ça y est, j'ai tout dépensé. Ouais, je vais aller les soigner ici. Ouais. On en y retourne. Là. J'ai combien en hyperbole déjà? 26. Alors, ça devrait faire quand même. Je vais peut-être trouver d'autres objets en plus sur place. On verra. Je vais refaire une sauvegarde. Est-ce que je peux remonter par là? J'espère. Ouais, c'est bon. À mon avis, au début, il devait être fermé l'ascenseur parce que. Genre, sinon je serais arrivé déjà directement ici. Il y a quelqu'un là-bas. Donc je vais sauvegarder là. On va y aller. Je sens que ça va en chier là. Je suis sûr qu'il est dans le monsieur Malafide là, je sais pas quoi là. Parce que là-bas, on dirait que c'est le monsieur avec les cheveux bleus. Ça faisait longtemps, tu te souviens de moi? Je t'ai aidé à Paramar. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Non, j'ai pas oublié. Ce n'est pas la peine de me remercier, je ne faisais que punir un inconscient qui avait utilisé un Pokémon obscur en public. À l'époque, personne ne devait être au courant des intentions du groupe Ombre. Je pensais que tu étais un enfant ordinaire. J'étais loin de penser que tu deviendrais une menace pour le groupe Ombre. Assez parlé. Tu as eu les capacités nécessaires pour arriver sur l'île Ténébra. Fais-moi une démonstration. Il est bizarre avec ses bras là. Ah bah voilà, on a la Kazam. Et l'autre avec les cheveux rouges, là, faut que je le trouve aussi. Oh là là, je crois qu'il va y en avoir plein de Pokémon obscurs. Ah putain, il a 6 Pokémon en plus. On va d'abord se focaliser sur la Kazam, je dis. Wow, et niveau 43-44, hein, c'est augmenté là. Heureusement, j'ai une dizaine de niveaux de plus. J'ai bien fait de bien m'entraîner.
Moi je vais repartir d'ici avec les niveaux 60 par là, je pense. Peut-être plus. Eh, il va se calmer lui. Ouais, mais ça fait mal à l'adversaire aussi, hein. Ça c'est pas trop mal. J'ai pas trop le choix parce que si je relance l'attaque que j'ai vue là. Ah, j'ai pas fait gaffe si c'est le Pokémon O qui a fait ça, je pense que oui. Ah non, je pense pas. C'était maléfique. Ouais, je vais faire ça. Mais... Excusez-moi les gars, mais j'ai besoin de réfléchir des fois avant d'agir. Bon, je sais pas si ça a marché, sérieux, mais. De toute façon, j'ai du stock. Ah, je m'en doutais. Bon, je vais lancer le onde folie. De toute façon, je pouvais pas lancer le onde folie avant. En fait, j'ai peur qu'il remette l'attaque de tout à l'heure. Pour ça, je flippe un peu. Mais là, ça devrait être bon. On va voir. Reste tout positif. Allez, déjà, ça, c'est fait. Scarinou, j'adore ce Pokémon. Ouais, il est débile aussi. Hein. Il y a Masco aussi, j'adore. Arco, Masco. Quel voulait Masco. Junko, bah un peu moins. Je le trouve un peu moins stylé. C'est l'évolution finale de Arco. On n'a pas vu d'Arco d'ailleurs dans le jeu pour le moment. En mars, je sais plus si à l'époque, en 2005, je sais plus s'il était déjà en... Bon, je retente pour la hyper boule. Allez, 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 allez. Ouf, c'est bon là. Je vais peut-être le mettre dans l'équipe d'ailleurs, parce que. Tous mes Pokémon obscurs là, ils ont le niveau, ils ont la vingtaine en niveau. Et là, ça va peut-être pas être assez là, vu les conditions où on est. Oh, on flex, oh. Pokémon qui dort. Bon bah, on va essayer de capturer. Hein. Vu qu'il dort, ça devrait être facile. Hein. Voilà, deux Pokémon obscurs pour la fin. Waouh. Bon, bah, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Ah, ça n'a pas fait grand-chose. Là, un petit peu plus. Je vais mettre un honte folie sur Ronflex. Tour suivant. Là. Et un autre morsure sur Electek. Ronflex à la trouille. Eh, hey, mais il a la trouille, mais il récupère ses points de vie. C'est quoi ce bordel? Tiens, prends ça. Hein? Non, c'est pas possible. Eh, j'ai cru que ça allait le faire parce que ça lui avait pas fait grand chose la première fois et là ça. Bon bah, tant pis. Normalement, je pourrais revenir les capturer, je pense.
plus de toute façon. Donc pas de panique. On va juste relancer le combat quoi. Ah bah super. KO. Je fais quoi? Quoi. Bon, de toute façon là, je vais lancer une hyperbole. Rien de plus. Je sais plus si je l'ai mis d'ailleurs. Le honte de folie. Je sais plus si je lui avais mis. Mince. Ah, je sais pas quoi faire. Bon, hop, et hop. Allez, allez, croisons les doigts. On rentre dedans. Voilà, c'est bien. Bon, il est peut-être que ce sera pour un autre jour. C'est problématique, si rien n'est fait. Bah ouais. J'aurais dû te prendre plus au sérieux et agir bien plus tôt. Les choses ne sont plus de mon ressort. Je dois te confier au maître Malafide. Mais ne pense pas que c'est terminé. Je n'abandonnerai pas mes rêves. Tes rêves sadiques. Bon, on fait quoi les gars? On rentre tout de suite ou... Parce que là j'ai un Pokémon de KO. Donc je sais pas. Je sais pas l'ascenseur là-bas là. Oh là là. On fait quoi? Est-ce que je rentre maintenant? Oh là là. Bon allez, on y va. Ouais mais attendez. Faut que je puisse soigner mes Pokémon quoi. Ah j'hésite. Est-ce que j'ai beaucoup d'argent là? Que je pourrais faire demi-tour. Ouais. Bon allez, je fais demi-tour. Pour soigner Pokémon. Pour la énième fois. Et je vais reprendre, je pense, des rappels, des hyper potions. On va voir. Le mieux ce serait des guérisons, mais on n'a pas beaucoup. J'en ai même pas trouvé d'ailleurs. Il m'énerve lui. Généralement les guérisons je les trouvais dans les boîtes là qui traînaient. Bon ben, on va pas changer de quartier, on va rester là. C'est encore moi à soigner Pokémon. Ah si, aussi je voulais aller voir le PC, c'est vrai. On va faire ça. Stockage Pokémon. Ouais, les trois derniers, la forêt que je prenne. Ils sont presque purifiés. Déposer. Ah! Boîte 2, j'ai dit. Voilà. Alors. Pourquoi tu le gardes? Otari. Ouais, Otari, je le dépose. Je vais retirer les 3 là. Retirer. Et retirer. Ouais, voilà. Alors donc, il y a quoi ici? Est-ce que je peux acheter la houle? Je pense pas. Il y a rien. C'est une bibliothèque.
Allez, oh, je te parle là. Acheter. Ah bah voilà, ils ont des hyper boules maintenant. Bon, mais ce serait plus des trucs pour la santé qu'il me faudrait. Ah bah si, il y a des guérisons maintenant. 3000 $3000, je peux en prendre qu'un seul. Ah, vous abusez, hein. Imaginez les amis, ça faisait 3000 €. Et comment on serait mal? Dans la vraie vie, on serait mal. Est-ce que je prendrais pas aussi antidote? Ouais. Bon, voilà, ça y est, je suis ruiné. J'aurais voulu voir qu'est-ce qu'il y a ici aussi, parce qu'on n'est jamais allé voir là-haut. Bon, il n'y a rien, il y a une grand-mère. Ah, puis il y a un grand frère qui me bouche le passage. Il n'y a rien à voir. Ok, bon, ben, on y va. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai combien de Pokéballs là? Une vingtaine, il me semble. Ouais. Que les autres, bon bah, ils servent pas à rien. Et je me demande si je devrais pas vendre mes anciennes balls, les Pokéballs, Super Balls. Ah, attendez, je sais pas. J'ai peut-être pas gaspillé autant d'Hyper Balls quand même. Bon, allez, non, on y va. Au pire, on reviendra. Normalement, ça devrait le faire. Hein. Oh. Allez hop, on fonce. Et l'autre ascenseur, par contre, j'aurais voulu savoir où il est. Avant d'aller là-dedans. Là. Ah, pas accessible. Je sais plus où ça mène. Oh les gars, il y avait ce qu'il faut là. Bon, ouais, mais ici, j'aurais pas pu acheter de choses pour... Bon bah, on sait maintenant. Ah. Bon, une petite sauvegarde quand même. J'essaie de sauvegarder un petit peu plus souvent là, parce que... Là, ça chauffe dur. Tiens, les voilà. Oh oh oh, il fait le Père Noël en plus. Quelle surprise, tu as battu Artus. Tu as battu beaucoup d'autres personnes aussi, je ne devrais pas être si surpris. Cela fait longtemps que je ne me suis pas autant amusé. J'ai une certaine admiration pour la force. Toutefois, je ne peux pas te permettre de nous gêner. J'ai presque atteint mon objectif. Ouais, foutre la merde. Je pense que pour l'instant, je vais te tenir à l'écart. Tu ne feras pas un pas de plus. Mais sérieux là? C'est un mur de verre énorme, il est impossible d'aller plus loin. Ok. Et là, ça doit être ouvert maintenant. Non, même pas. Ah, je pensais. Alors, comment je fais? Ah bah rien. Ça vient tout seul. Ah, il m'a débloqué l'ascenseur. Oh là, ça sent le combat, ça encore. C'est moi. Tu sais, je suis presque contente de te voir. Mais il faut que tu arrêtes de gagner à chaque fois qu'on se bat. Non, sérieusement, c'est pas bon pour moi. Le maître Malafide m'a donné une dernière chance de me racheter. Mon ultime chance. Si j'échoue, c'est fini pour moi. Eh ben, je m'en moque. Mais alors, totalement. Bon bah du coup j'irai soigner mes Pokémon après. Juste à côté. Puis après on prendra l'ascenseur.
Alors, je vais commencer par lui. Ouais, je sais pas. Bon, allez, lance-flamme. Je sais pas si ça va faire grand chose. Ah, j'ai bien fait de rien mettre sur le gros nounours, hein. Il a une protection, abri. Allez, va-t'en, toi. Yes. C'est bon. Un de moins. Il y a combien de Pokémon? J'ai pas fait gaffe. Parce qu'il y en a pas 6. Je suis sûr qu'il y en a 6. Et oui, il y en a 6. Bon. Je réfléchis. Non. Je vais faire moi et je vais faire ça. Pour l'instant, c'est pas un des Pokémon obscurs, donc. La meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, d'un coup. Génial. La carrière de voleur va se terminer. Bon, après, il pourra faire son taré tout seul, mais en tout cas là, son maître là, il va le virer apparemment. Si je le bats, en gros sa carrière est terminée. Ah mince, j'aurais dû rien mettre. Ah mais s'il arrête pas de faire ça lui, putain, trouillard. Au lieu d'attaquer, il met des protections. Moi, ça me fait perdre un tour. Je suis sûr qu'il y aura les Pokémon obscurs pour la fin. Je suis sûr qu'il y en aura deux, comme tout à l'heure. Donc, il doit me dire qu'il y en aura deux. Allez, gris, gros nounours. Gris, lui, les poils. Et la truffe. Voilà, c'est bien. Au revoir, gros nounours. Oula, c'est quoi, mâchouille? Mais non, mais mâchouille, c'est bien, ça. Effacer, oui. À la place de morsure. Mâchouille, c'est comme morsure. C'est la même attaque, mais en plus puissante. Et ouais, je m'y connais. Ah bah voilà, obscur. Ah, il est pas KO lui encore. C'est bizarre ses cheveux, hein, au Pokémon là. On dirait une coiffure de grand-mère. Ça fait aussi un peu bécassine, je trouve. Qu'est-ce que je vais faire? Morsure. Tiens, je vais mettre ma chouille sur lui là. D'y aller trop fort du coup, des mecs KO. Le but c'est de les capturer. Et je m'en doutais, hein, deux pour la fin. Bon, voilà, on l'a pas eu. Mince. Voilà, il est tenace lui. Quand j'étais petit, j'avais capturé bien tous les Pokémon obscurs comme il faut, parce que je sauvegardais
à chaque combat, juste avant. Comme ça, si j'arrivais pas à les capturer, bah je recommençais. Je redémarrais à partir de la sauvegarde pour reprendre là où j'en étais pour capturer les Pokémon obscurs. Je faisais ça avant. Je suis malin. Bah, je vais pas mettre ça là. Ouais, je peux pas mettre. Non, pas ça. Après, j'ai deux cartes mémoire à ce que je vois, mais alors la deuxième carte mémoire, franchement, je sais pas du tout ce qu'il y a dessus. Oula, ah, ça fait mal ça, c'est pas cool. Bon, en fait, quand j'étais petit, bon, je le suis encore. Hein. En 2005, c'était mon âge. Mon âge depuis tant 10 ans. Je veux pas vieillir. Syndrome Peter Pan, ça s'appelle. Ah, attends. Je vais mettre honte folie. Parce que c'est bien beau de parler, mais il faut se concentrer aussi. N'est-ce pas, Eden? Je vais lancer une balle après, j'espère que ça va le faire. Sérieusement, j'espère que ça va le faire. Déjà que j'ai pas eu l'autre là. On s'en fout de ça. Ouais, super balle. Oh, j'aurais pas dû mettre une autre attaque. Parce que si j'attaque. Oh, j'espère que ça va le faire là, parce que sinon il va être KO avec le flamèche. Ouais, ouf, j'ai eu peur. Bon bah voilà. Ta carrière est foutue, mec. Mince, on est maudit. Évidemment, quelqu'un de maudit, c'est normal qu'il leur arrive quelque chose de mal au bout d'un moment, quoi. Oh non, c'était ma toute dernière chance. Le maître Malafide va me chasser. Comment est-ce que je peux continuer à perdre contre un gamin comme ça? Quelle honte! Mais le maître Malafide, je l'ai battu une fois aussi déjà. C'était à la pyramide, là. Je l'ai déjà battu, donc rebelote, hein. J'ai pas revu Couette Couette. C'est fini, Couette Couette. Fille avec les grandes couettes roses, là. Ben, pourquoi je vais là, en fait? Moi, je regarde ce qu'il y a. Ah oui, si, je devais rien parce que je pouvais plus passer, c'est vrai. Oh non, encore un combat. Tu n'as pas l'intention de me laisser tranquille, n'est-ce pas? Bah non. Non. Parce que là, j'ai des choses très importantes à faire. Très bien mon truc, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, on va voir. Ah non, c'est bien finalement. Bah, le champignon, je vais le griller direct. Hein. Deux Pokémon obscurs à la fin, comme les deux autres là.
Ah, peut-être même comme les trois autres, parce qu'il y avait le monsieur à cheveux gris là, avec sa coupe de cheveux en banane. Là. Comme je suis quelqu'un de prudent, j'irai refaire demi-tour pour soigner mes Pokémon, quand même. C'est pas ce qui m'attend en fait. Je pense qu'il m'attend des combats, évidemment, mais voilà. Alors ça d'ailleurs que je vais les soigner. Je pense qu'on va rencontrer le XD001. Ça va pas tarder. Trio Picker. Le bruit que vous entendez, c'est de l'orage. Je sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais il y a de l'orage dehors. Dans la vraie vie, hein, je dis bien, pas dans le jeu. Je vais mettre feinte. Ah là, oui. Je sais pas trop quoi faire en fait. La chouille. J'ai peur que ce soit trop. Oh là! Oh là, pas trop fort! Oh là non! Je le sens pas! Oh là, je m'en doutais. Ah, j'y suis allé trop fort! Oh là là! Bon. Non, c'est pas vrai, c'est pas réel! Bah si. T'as bel et bien perdu, mon gars. Bon. Soignez Pokémon. Une fois de plus. Je prends mes précautions. Ah, nous y voilà. Ok, mais j'ai plus accès au... Ah, est-ce qu'ils sont en bonne santé? Oui, c'était bon. Bon, je stresse un peu, hein. Allez, go, on y va. Uds. Oui, maître Malafide. Qui a permis à cet enfant de me pénétrer ici? Peux-tu m'expliquer ça? On ne peut faire confiance à personne. Occupe-toi de lui. Ah. Monsieur Cheveux Rouges. Tu as énervé le maître Malafide. Je savais que nous finirions par nous battre un jour. Mais je ne pensais pas t'affronter de cette façon. Tu sortiras forcément frustré de ce combat. As-tu envie de te battre? C'est lui qui sera frustré. Allez, go, c'est parti.
Bien, je comprends, mais je ne te ferai pas de cadeau. C'est ma philosophie. Elle est belle, sa philosophie. Allez, c'est parti. On va foutre un pâté. Déjà ça commence mal, un Pokémon obscur. Enfin mal pour lui hein, parce que je vais lui tuer ses Pokémon quoi. Enfin si j'y arrive. Parce que j'y arrive pas à chaque fois quand même. Que je vais commencer par faire ça. Et puis ça. Ah non, ça c'était pas du tout prévu hein. C'est pas cool. Du coup je peux pas l'attaquer. Je vais remettre les mêmes choses. Là et là. Ça y est, t'as mis tunnel, t'es content? Voilà. Moi je voulais le cramer d'un coup. Que je me doutais bien qu'il n'allait pas résister du tout à mon attaque. Drattaque obscur, je parle. Et ouais. Il y en a combien des Pokémon obscurs, lui là? Il y en a encore plus que les autres dresseurs, là. Enfin, dresseurs entre guillemets, hein, parce que c'en était beau. Plutôt des voleurs. Alors là, ça c'est pas possible, j'y crois pas. Il m'a mis un truc super puissant là. Bon bah. Au revoir Demolos. Hein. Je vais peut-être remettre un rappel, je sais pas. Je verrai. Pour le moment, on fait avec. Ah non, je l'ai loupé. C'est pas vrai. Ouais, mais c'est parce que du coup, comme il s'est attaqué lui-même aussi. Ça m'a perturbé. J'avais pas du tout prévu ça comme ça. Ah, et puis il m'énerve là. Du coup, j'ai plus des Demolos là. J'ai pas assez à capturer. En plus, il m'a mis KO. Je suis pas content. Bon, je vais mettre un rappel. Là, vous voyez, il y a une Pokémon plante. Plante psy. Et je peux rien faire. Je voulais le cramer moi. Rappel si vous rappelez. Non, j'ai pas envie d'utiliser mon rappel max maintenant. Rappel. Tout ce qui est guérison, rappel max, je préfère garder ça pour quand je vais affronter le maître Malphite. Je trouve que je perds beaucoup de points de vie. Et n'empêche, c'est un peu normal. Hein. Les adversaires, ils ont plus de niveau que les précédents. Le duo d'enfer. Ah, c'est pas possible. Je m'en doutais. Bah, ça va être dur de capturer les Pokémon obscurs si c'est comme ça. Hein. Bon, de toute façon, j'ai plein de rappels, on s'en fout. Puis on en mettra plein, puis voilà. Là on arrive au bout,
C'est maintenant qu'il faut les utiliser. Je vais mettre une hyper potion là. Le tronc fou, tiens. Et une hyper potion, on a dit. Pour notre ami. Moi je propose de tout mettre sur lui. Retour noir, je sais pas ce que c'est, personne noir non plus. Ouais, je me vois-y. Déjà on en a battu deux. Trois, je sais plus, Ah mais il y en a plein. C'est ça qui rend les choses plus compliquées. Bon, apparemment le persil noir, ça n'a rien fait du tout. Vu qu'on en chie là, je pense qu'on va en chier encore plus après. Alors. Moi je vais mettre un nul. Enfin, il est bien, mais là il va pas. Il est pas assez de niveau quoi. Il est obscur. Hop, et je vais mettre un rappel de nouveau. Demelos ou Neutali Demelos. Plus de niveau en même temps plus. Oh là. Ah, j'espère que Rajmar ça va pas le mettre KO l'autre là. Ouf, ah putain j'ai eu peur. Parce que là c'est bon, il est prêt à être capturé là. Attaque. Eh, au Sator, c'est pareil, il est prêt à être capturé là. Normalement, ça devrait être bon. On commence par Dratak parce qu'il a moins de points de vie. Puis j'ai pas le droit de capturer deux Pokémon en même temps. Donc, ça, c'est embêtant. Très embêtant. Ronflex, bah tu dors. Hein. Persinoir, je sais plus. Ces deux attaques ils font rien, je crois. J'ai pas trop fait gaffe, mais. Et normalement c'est bon là. Il est confus et tout là. Ouais, on a Dratak. Oh. Ouf. Bon, attends, hein, il y en a encore d'autres. Hein. Alors, classe, j'adore ce Pokémon. Ouais, il me faut absolument. J'adore ce Pokémon, ça. C'est l'un de mes Pokémon de type eau préféré. Vous n'êtes pas gentil avec moi.
trouverez, vous allez vous en faire mordre la poussière. Faut que je capture le Pokémon et que je mette un rappel. Alors, mince, objet. Du coup, je peux pas attaquer. Je peux pas attaquer ce que je vais capturer lui. Et là, je suis obligé de mettre un rappel parce que là, ça va mal. Ça va très mal. Sachant qu'en plus, si on perd et puis qu'on a capturé des Pokémon obscurs, bah les Pokémon obscurs, bah du coup, c'est comme si on les avait pas capturés. Donc, faut pas perdre. Non, on est obligé de recommencer. Bon, c'est bon, là, vu. J'avais pas confiance. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Bon, je change de Pokémon. On va éviter des Melos là parce que enfin, c'est un type haut, voilà quoi. Folie noire, rage noire. Bon, on va voir ça. Bon, j'ai pas beaucoup de points de vie, alors j'espère qu'il va pas me mettre d'un KO là. C'est bon. Vu que c'est un Pokémon obscur, le classe du coup, je sais pas s'il a vraiment des attaques de type haut. Ah, j'ai mis une petite malédiction. Donc, ce que je vais faire ça. Et là, je vais mettre ça, une hyper potion. C'est où là-dedans? Super potion, voilà. Ah, j'en ai que 6. Je vais mettre une super potion alors. Oui, pas non. Je pense que je vais encore devoir aller faire un petit peu de shopping. Hein. Parce que des hyper potions, j'en ai vraiment pas beaucoup en fait. Des guérisons non plus. La guérison c'est mieux mais c'est plus cher du coup. Ah lui c'est pas le mettre KO hein Nathalie, je compte sur toi. Faut qu'on le capture. C'est le dernier là. Donc, concentration totale. Bon là je vais remettre je sais pas si je remets quelque chose ou pas. Je pense que c'est mieux hein. On va voir. De toute façon faut réagir. Bien obligé. Bon là c'est bon, on va le capturer. Donc j'ai hyper potion. Et j'ai mis rage noir parce que rage noir ça n'enlève presque pas de points de vie, donc on s'en fout. Mais j'espère que je vais l'avoir d'un coup. C'est mieux. Ah oui, ok, c'est super bien en plus. Ouais, c'est bon là, je suis content. Je l'adore trop ce Pokémon.
Je le trouve trop classe. On a perdu, tout perdu. Ah, je te l'avais dit, hein. Tu me croyais pas tout à l'heure. Tu es puissant, beaucoup plus que je ne le pensais. Si tu veux stopper nos plans, libre à toi d'essayer. Toutefois, je pense que tu sous-estimes les pouvoirs du grand maître. Tu n'as aucune chance. Je l'ai déjà battu il y a plus de 15 ans. Comme t'inquiète pas, je vais réussir de nouveau. Hein. Est-ce que je peux passer par là tranquillement? Oui. Il faut que je soigne mes Pokémon. Et qu'on fasse demi-tour pour aller chercher... faire du shopping. Donc oui, j'ai vu qu'il y avait un coffre là-bas, vous inquiétez pas. On ira le chercher après. Là, faut se préparer, ça rigole pas. Il aurait même fallu que j'entraîne un petit peu mes Pokémon, hein, je pense. Je me demande si je devrais pas faire un petit... Comment ça s'appelle déjà le machin, là, les plateformes avec les... Mais non, mais mince, ce que j'ai fait. Ah, c'est pas là que je voulais... Ah oui, c'est l'autre ascenseur que je voulais prendre. Ah, je suis trop bête. Et c'est parce que je parle en même temps et des fois ça me... Enfin, c'est bien la première fois que ça me fait. Je fais n'importe quoi. Bon oui, on va entraîner un petit peu les Pokémon. Et shopping. Question de se mettre... n'ont pas le droit à l'échec. Bon, après on dit qu'on apprend de ses échecs. Là, je vais anticiper. Pas partir tête baissée, on va prendre son temps, on va s'entraîner un petit peu, on va faire un peu de shopping et après on va maraver le maître Malafide. D'ailleurs, je propose, donc oui, c'est de ça que je parlais, le monde bataille. Je propose qu'on y aille tout de suite. Et pour ce qui est shopping, on le fera juste avant de repartir là-bas, sur l'île. Parce que là, en faisant des combats d'entraînement, je gagne aussi de l'argent. Donc c'est ça qui est bien. Donc on va prendre... continuer là où on était arrivé, quoi. C'est-à-dire secteur 5, il me semble. 6. On est arrivé au 6. Là, comme d'habitude, je vous ferai des accélérés parce que là il y a combat, voilà quoi. Donc voilà, là j'ai reçu des poké coupons, j'ai fini le secteur 6. Alors on va repartir maintenant. Merci, c'est gentil. Donc oui, j'ai donné aussi un objet à Noctamie qui s'appelle un bandeau. Ça m'évite d'être tout le temps KO en fait. Donc ça marchera une fois sur deux ou sur trois, je sais pas. Mais ça pourra servir lors de mon gros combat contre le maître Malafide, je sais pas comment ça se dit exactement. Bon, hop. Donc là je vais aller voir pour mon inventaire. Je vais prendre, il va jouer. On va aller là, acheter ici. Acheter. Alors, des hyperboles, non, j'en ai une vingtaine, alors voilà.
Plutôt partir là-dessus. Je peux en prendre combien? 9. Sache qu'il me faut des rappels aussi. Je vais commencer par les rappels. Je peux en prendre que 7. Oh là là. Misère. Je préfère prendre plus de rappels finalement. Prendre ça. Bon, et j'ai déjà plus rien pour prendre des hyper potions. Oh là là. Bon, bah, on va faire avec. Donc c'est parti, on retourne. Les autres secteurs qui me restent, là je les ferai bien plus tard, je pense. Parce qu'après la fin du jeu, il y a une petite suite, donc je pourrais par exemple partir de là. Je vais passer là-bas, ça ira beaucoup plus vite. Go! Et ensuite, je reprends l'autre ascenseur. Chercher le coffret qu'on avait vu. Je vais faire une petite sauvegarde. On va visiter les lieux avant, on va voir s'il y a d'autres objets. En tout cas, il a pas l'air d'être là, l'autre. Je sais où il est. Il y a une pièce là. Bon, là, il n'y a rien, apparemment. Il n'y a plus d'objets. Ah, ça y est, nous y sommes. Oh, tu es parvenu jusqu'ici. Je ne pensais pas qu'un enfant serait capable d'un tel acharnement. Le professeur Cyrus, le disque rhum, le repère, tu as dû déjouer nos plans tout seul. Bon, il n'y a pas eu que toi. Les reportages de l'Ombre n'ont pas aidé la cause du groupe Ombre. Cependant, je n'abandonne pas. Je vais bientôt arriver à mes fins. Tu as le droit de savoir ce qui va se passer. La création de Pokémon obscurs impossible à purifier n'était que la première étape. Je prévois de former une armée de Pokémon obscurs qui seront sous mes ordres. Quand cette armée sera sur pied, je pourrai alors conquérir le monde. Je n'aurai besoin de personne. Il n'y aura que moi et mon armée. Maintenant... C'est un dingue! Elle va te faire soigner, hein, mon gars. Je vais te présenter mon fidèle serviteur. Il sera la figure de proue de mon armée de Pokémon obscurs. Approche, XD001. C'est Lugia. Nom de code XD001, c'est moche. Les dernières mises au point ayant été effectuées, je te présente le Lugia obscur. Ce Lugia est le premier Pokémon obscur impossible à purifier. Célébrons un peu cette réussite. Affronte mon Lugia obscur. C'est bien qu'il va falloir utiliser un Master Ball. Hein. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Mmh.
Alors, niveau 50, ça devrait aller quand même. Je vais cramer. Donc oui, j'ai plus d'attaque qu'avant là, sur ma chouille et lance-flamme, parce que j'ai mis des PP+, vu que c'est des attaques super bien. Bon, ben voilà, j'ai pas hésité. Merde, j'ai mis KO. Bon, c'est pas grave. Je pourrai le recapturer plus tard. Normalement. Parce que je sais pas si je pouvais le capturer maintenant. Normalement, je pourrais le faire plus tard. Nuja. Et ouais. T'as vu, j'ai pas fait long feu, hein. Comment as-tu pu vaincre mon Lucha obscur? Il ne me reste plus rien. Je veillerai personnellement à chaque fois. J'ai appuyé trop vite sur le bouton. Ton heure a sonné. Ah, ça y est. Il recommence. Ah, et là, il est fâché, là. Bouger la caméra tout à l'heure, c'était plus très bien machiné, puis très bien cadré, je veux dire. Oui, bon, c'est, ils sont tous obscurs. Oh la vache, les Pokémon, et je veux dire qu'il a pas trop bien cadré encore. Voilà, c'est bon. Hop. On va en chier, les gars, pour les capturer. Je vais devoir faire un plusieurs fois. Je vais mettre un nain de folie. Et là, je vais mettre un mâche au milieu. Et j'espère que ça va le faire. Oh là là, ouf, quand même. Je mets une onde foulée sur lui, ensuite je me fais une onde foulée sur l'autre. Et je capturerai Rhinophéros, pardon, en premier. Si c'est possible, hein. Parce que là. Alors, hyper potion. Hyper beau, je veux dire. Oh. Donc, il reviendra pour Lucha plus tard, parce que du coup, je l'ai pas vu tout à l'heure. Je l'ai vaincu. Enfin, je lance la Master Ball. Je rajouterai au montage combat contre Lucha avec la capture, tout et tout. Vous inquiétez pas. Je vais pas lui laisser un seul Pokémon. Pas un seul. Donc après le générique de fin, je peux encore retourner capturer Pokémon obscur que j'avais pas réussi à capturer. Je le précise bien. Pas que vous manquez tout, quoi. Pas manquer le meilleur. Là, on a quand même à faire des Pokémon légendaires et des Pokémon assez rares. Bon, par contre, là, je suis embêté là.
que là, je suis quand même très patraque. Je vais mettre Hyper Ball. Et l'autre, je vais le cramer parce que bon, bah, ça devrait vite s'enflammer. Là, ils ont déjà presque plus de points de vie. Moi, j'ai pas beaucoup de. Oh non, ça a pas marché. Oui, j'ai pas beaucoup de. Super potions, tout ça. Oh merde, il a fallu qu'il lui reste un petit bout quand même. Moi, je peux pas capturer autant de Pokémon obscurs comme ça d'un coup. Surtout qu'ils sont très forts. Ah bon bah c'est mort. C'est mort, c'est mort. Pour Sulfura. Ce sera plus tard. C'est mort mais provisoirement. Déjà j'en ai un. 1 sur 6. Tout à fait ça de moi. Voilà, le Articuda il va me. Ouais, je vais mettre une hyper potion là. Au mieux. C'est 5 guérisons. J'ai plus passé devant. Voilà. Ah, je sais pas, les mollets frères. Pour son lance-flamme, super cool. Ah bah voilà, ça va mettre. La pluie va mettre KO Noctali, merci, c'est gentil. J'avais pas mieux comme. Ouais, j'ai que ça, folie noire. Je vais mettre. Attaque vache folie. Ouais. C'est pas grave, c'était surtout pas Articodon que je voulais le mettre. Je sais pas quoi faire. Bon allez, on tente. Renouveau, tout ça, ça fera rien. Là, c'était sur une année hyper cool. Allez, rentre.
Ouais, on en a deux. Ça fera ça de moins pour la prochaine fois. On en a donc 2 sur 6. Donc il lui en restera 4 à capturer la prochaine fois. On va quand même essayer de capturer encore au moins un Pokémon. Hein. Ah, j'ai bien couru. Je n'attendais pas. Il lui reste plus que lui. On va essayer de le capturer. Ah, mais j'ai cru qu'il avait 6 Pokémon, mais en fait, non. Non, ça sera plus facile que ce que je pensais. Enfin, plus facile. Façon de dire. En gros, il y en aura 3 que je devrai revenir capturer. Parce que je les ai pas vus. Je n'ai pas réussi à les avoir d'un coup. Et là, bah, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Oula, c'est parti en flèche là, quand même. Ce qui aurait été bien, ça aurait été que j'ai une attaque pour pas paralyser les ennemis, tout ça. Mais non, j'ai que mon folie. Faut faire avec. Si je mets hyperbole tout de suite, je suis sûr que ça pourra le faire. Sûr. Je change de Pokémon. Je vais essayer de lui enlever quelques petits PV encore. Ah bah là déjà, ça c'est bien. Singe noir, j'espère que ça fait pas grand chose. Normalement c'est bon. Ouais. Là je vais pouvoir lancer la hyperbole. J'espère qu'on va l'avoir. Sinon on en aura 4 à capturer la prochaine fois, ça fait un peu beaucoup. Alors. Faut que je soulève ma conscience. Je vais mettre hyperbole, go. Croisons les doigts. On a peut-être encore une petite chance, on va voir. Oula. Bah là au moins il est presque KO. Ah, j'aurais pas dû mettre ça. Oh non. Ah, oh, c'est pas vrai. Mince. Ah, si j'avais su, j'aurais pas mis cette attaque. Bon bah donc on en aura 4 à capturer après le générique. Après le générique de fin. C'est pas quand il y a une générique, mais ça devrait pas tarder. Hein. Voilà, les autres ils ont été envoyés au PC. Grrr, c'est ta faute, tu vas le payer. Je ne te le pardonnerai jamais. Ouais, c'est ça. Vous avez ce que vous méritez. Grand maître, tout est fini. Nous devons faire exploser l'île Ténébra avec l'enfant. Ah oui, carrément. Mais... En faisant ça, nous détruirons toutes les données sur les Pokémon obscurs ainsi que tous nos employés. Eh mais c'est des meurtres quoi. Grand maître, ce ne sont que des choses remplaçables. Nous devons assurer notre propre survie. Ah ça c'est vraiment méchant ce qu'ils disent. Un hélicoptère est prêt à nous faire évacuer. Nous devons partir immédiatement. Tu as raison. Attendez. Attendez, je vous en prie. Vous voulez sacrifier tous ces gens pour assurer votre survie? C'est répugnant. Ah bah quand même, en voilà un qui a un peu plus de... dans le cerveau. Répugnant? Avec tes scrupules idiots, tu risques de... Oula, de laisser le groupe Ombre disparaître. Nous devons survivre, c'est notre devoir. Le grand maître est d'accord avec moi. Oui, nous devons faire des sacrifices pour assurer l'avenir du groupe. Que dites-vous? L'usine de Pokémon Obscur a été détruite. XD001 s'est révélé être un mauvais combattant.
donner un coup sur la caméra. Il ne reste rien du groupe Ombre. Silence, ce n'est pas vrai. Si seulement cet enfant ne s'était pas... Grand maître, je vous en prie, veuillez donner l'ordre de faire exploser l'île Ténébras. On ne peut pas faire autrement. Ne nous juge pas, mon enfant. Arrêtez, vous ne pouvez pas faire ça, père. Comment ça, père? C'est leur papa. Ne l'appelle pas comme ça, il est notre grand maître. Père, vous avez perdu de vue ce qui est vraiment important. Le pouvoir vous est monté à la tête. Il est impossible de conquérir le monde à l'aide de Pokémon. Regardez cet enfant. Son cœur pur a triomphé de ISD-001. Nous étions du mauvais côté. Silence, silence, silence! Comment peux-tu dire ça après tout ce que nous avons fait? Vous avez fait que des conneries. Le groupe Ombre n'est plus... Vous plus... Que quiconque, père, vous devriez l'avoir compris. Oh. Levez-vous à présent. Cela doit se passer de cette façon. Nous devons nous rendre. Oh, tout ce que j'ai fait, ce n'était que une énorme erreur. Grâce à ton courage, tu nous as ouvert les yeux. Nous te remercions, tu n'as plus rien à craindre de nous. Tu peux rentrer chez toi avec ta famille. J'espère avoir la chance de te revoir, maintenant que nous ne sommes plus des ennemis. Oh, c'est mignon. Ça m'a l'air d'être le générique de fin. Enfin, une cinématographie, on va dire plutôt. Salut maman, ça faisait longtemps. Quoi, wow, l'équipe d'enfer. Elle me donne une photo de casse. Votre progression est regardée. Oui, ok. Oui. Ah, ça y est, générique de fin. Donc après, il nous restera à capturer donc 4 Pokémon. Ensuite, on aura encore... comment ça s'appelait déjà? Là où il y a la... On fait des batailles et tout là, les combats là. Il me restait 4 secteurs. Non, 3, je sais plus. 3 secteurs plutôt. 7, 8, 9, 10. Attends, 7, 8, 9, 10. Ouais, 4 plutôt. 4 secteurs. Et puis bien sûr, il nous reste aussi à dépurifier tous les Pokémon obscurs. Ça prendra du temps. Je pense que c'est tout. Ah si, quand je revois là, j'ai revu Darius là avec son boudon là. Je pense qu'on aura à refaire à lui aussi. Quand on l'avait battu avec son robot l'autre fois là, mais je crois qu'il en aura un deuxième. Après. Ça, je dis ça.
Ouais, je sais pas c'est combien de temps il dure le générique. Il y a quand même une morale à la fin de l'histoire. Ceux qui l'ont trouvé, laissez dans les commentaires la morale du jeu. Voilà. Alors, je vous laisse constater. Donc, 21h10 de temps, 62 Pokémon obscurs capturés et 26 de purifiés. Bah tiens, c'est ma chambre ça. Ah, message. Cher Eden, j'ai appris que tu étais rentré de l'île Ténébra. Je souhaite t'inviter personnellement au Colosseum de Rhodes. Je vais venir te demander en perso. Ah oui, je vois, c'est quoi, je m'en rappelle de ce truc. Ah, il est coupé le mail, merci. Ça m'intéresse pas du tout, c'est Pokémon niveau 100 et tout. Ah, il y a ma petite sœur là. Coucou! Ouais bah inverse, non, je suis obligé, oh. Eden, c'est moi Aldebert, tu ne m'as pas oublié, hein. Je t'ai envoyé un mail tout à l'heure, Eden, tu l'as lu? Oui. J'ai paniqué et envoyé le mail avant de finir, mais je suis contente de savoir que tu l'as reçu. Tu vois, tes exploits en combat m'ont inspiré, Eden. Cela m'a donné envie de te combattre. Ceci étant dit, Eden, il y a une mission de dresseur qui serait honorée de se battre contre la bête noire du groupe 11. J'ai donc décidé d'organiser un événement spécial dans un Colosseum. Impressionné? Mais avant d'en dire plus, je veux faire un combat contre toi. En garde! Ok. Alors non seulement j'ai pas envie d'aller à son truc, mais en plus il me demande un combat alors que je viens d'avoir un gros combat épuisant là. Deux gros combats épuisants. Plus ceux d'avant. Oh là là. Coupez-moi! Il m'en reste encore plein en plus là. Mais il me reste en gros toute la liste que je vous ai dit. Hein, il reste à capturer les Pokémon légendaires, tout ça. Il me reste 4. Par contre, les autres, je vais les mettre dans mon équipe, ceux que j'ai capturés. Je vais aussi racheter des hyper potions. Finalement, des hyper potions, tout ça, j'en ai pas utilisé tant que ça. Ni les rappels. C'était plus avec le bonhomme avec les cheveux rouges, là. J'en ai utilisé plus. Voilà, c'est facile, hein. Je fais ça les doigts dans le nez, moi, les Pikachu, là. Et il y en a combien comme ça, là? Je les crame tous, hein.
sais pas combien il y avait de Pikachu, mais là maintenant ça finit sur des Raichu. Bon, on sait que son Pokémon préféré c'est Pikachu. Alors, j'aurais préféré que ce soit encore des Pikachu parce que là il résiste un peu plus. J'adore Pikachu, mais Raichu il est trop bien aussi. Il est fort, il est mignon, tout quoi. Sa queue en forme d'éclair et tout, wow. Vraiment, Pikachu il a aussi une queue en forme d'éclair. Alors, je vais mettre ça. Oh, il m'énerve. Tout ça. Eh, c'est abusé. Fatal foudre. En plus. Voilà. Et puis qu'une attaque et c'est bon. Lui il a pas de Pokémon obscur donc c'est plus facile. Hein. Je m'en doutais qu'il allait mettre Noctalie KO. Et voilà. Croyez quoi? Ce n'est pas étonnant que le groupe Ombre ait les yeux rivés sur toi, je dois dire que ça m'a beaucoup plu. Je suis sûr que les dresseurs qui se sont rassemblés au Coliseum des Rhodes seront ravis de t'affronter. Viens, s'il te plaît. Merci. Il n'y a pas obligé quand même. Les dresseurs les plus forts du pays se sont rassemblés avec l'objectif de t'affronter, Eden. Nous t'attendons au Coliseum de Rhodes. Bien sûr les amis, je vous ferai voir comment au Coliseum, mais juste je vous ferai voir quoi. Et ça me branche pas. J'aimais pas ça moi. Voilà. Et il n'y a même pas le droit d'utiliser d'objets ni rien. Alors, ce que je voulais faire moi, c'est capturer les Pokémon légendaires qui me restent. Avant, j'ai racheté des hyperboules. C'est moi qu'il faut que j'aille aussi au centre Pokémon du coup. Je vais commencer par aller là. Il faut que j'aille aussi au PC. Chaque chose dans son temps. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais faire PC. Et après, je vais acheter Hyper Potion. Ah mais non, là. Ouais. Ah si, je vais prendre les trois là, donc je vais déposer aussi. Ah quoi quoi. Vous avez vu tous les Pokémon obscurs que j'ai encore? Tout ça purifié. Ça c'est une belle équipe ça. Hyper potion, j'espère qu'il y en a ici. Au début du jeu, il me semble qu'il n'y en avait pas.
Là, il y en a fait. 13. Et 2. Attendez, non, je vais prendre des guérisons. Ah bah, du coup, ça fait que 5. Tant pis, je prends ça. Je peux en prendre une, normalement. Qu'est-ce qu'il me reste? Ouais. Et voilà, déjà ruiné. Il est cher, le monde des Pokémon. C'est reparti, mon kiki. Allez, zou. Donc, il me reste 4 à capturer, mais je les aurai peut-être pas d'un coup. Hein. Donc, il faudra peut-être que je refasse... Je couperai au montage, parce que ce sera ennuyé pour vous de... d'assister à ça à chaque fois. Je retourne. Oula. Oui, mais on s'en fout, lui. Donc, faut que je passe là. Je vais sauvegarder juste avant, bien sûr. Ah, il y a un truc là, il n'y avait pas de talent. On a eu un lecteur. Yes. Tu le feras dans la poche. Noix de coco dans la poche.